Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Captain Tsubasa Dream Team sur le Super Dream Fest Mizugi et KHS V3, donc Mizugi V2 et KHS V3. Donc voilà, donc KHS V3 avec un tir à 540 je crois, où il faut 3 joueurs pour faire le tir. Maintenant c'est plus 2, c'est 3, bientôt il faudra 4 joueurs. C'est un peu nimp, hein. C'est un peu nimp. Je ne vais pas vous mentir. Donc même système, 3 plus 1. 3 multi, une offerte. Il a aussi une nouvelle reprise aussi. Ouais, toujours le même truc. Le Naturezza en rate up, pas mal, pas mal. Naturezza en rate-up sur le portail KHS, le Tsubasa V3 sur le portail Mizugi. Voilà. Il y a aussi une reprise balle basse de KHS à récupérer dans les scénarios corsés. Donc voilà. Voilà pour les news. On aura aussi des tickets grande gratitude le mois prochain. Avec 10 multi, je crois c'est 10 multi, je crois. Ouais, c'est ça, je crois c'est 10 multi. Attendez, on va regarder ça ensemble. Voilà, la reprise balle basse de KHS, l'as du feu. Voilà, c'est ça. Obtenir un ticket 10 jours pendant 10 jours. Donc il y aura 10 multi, il y aura des Dream Fest, sûrement des Dream Co aussi. Donc voilà. Donc ça, je sais pas si je vais le faire en vidéo. Pas vous mentir, je sais pas, on verra. On verra, on verra. Donc ça, c'est sympa. Toujours sympa de récupérer des Dream Fest gratos. Voilà. Après, là, je vous laisse checker les news. On va s'intéresser aux deux beaux gosses. Désolé, hein, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. Allez, principal. Je mens pas, hein, mais le Naturezza, je veux grave. Je veux grave. Je le veux grave. Oula, ah oui, d'accord. Donc, il est bleu. Attaquant milieu offensif. Vous voyez, première fois qu'on voit un KHS milieu offensif. Akan, Tsubasa, attaquant. On attend, on attend. 1212 d'endurance, Rising Sun, 30591 en attaque, 10134 en dribble, 10828 en tir, 9629 en passe, c'est un monstre. Défensivement, c'est pas mal du tout, tacle 9418, interception 8776, c'est pas mal. Et en physique, c'est tout aussi fort, 7700 en rapidité, 8600 en puissance et 8000 en technicité. Très bon le KHS, très très fort, très très bon. Voilà. Donc lui il a tous les noms Jap, 20%, bon. Voilà, bon. Voilà. Tireur de la surface de réparation, les tirs dans la surface de réparation adverse ne subissent plus l'effet de la distance et de l'angle de tir. Donc quand tu es dans la surface de réparation, bah, surface de réparation adverse. Et ben voilà, tu peux être sur le côté, angle fermé, ça a aucune importance, aucune importance. Contre-coup, feu rapide, 545. Donc Karl Schneider et Tiger Brand. Voilà. Donc, il vous faut ces trois joueurs-là. Ouais. Je sais pas, bon, le tir suprême, on le connaît, 500 d'endurance. 500 d'intensité, pardon. 545 d'intensité pour l'autre. Par contre, il va vous prendre 580, c'est très cher. L'enjambée du feu. Bon, bien évidemment, il faut lui mettre une passe, il faut lui mettre un tacle, il faut lui mettre une interception. Pour qu'il soit bien. Voilà. Ça soit pas mal. Alors, notre ami. Au moins un joueur non japonais. Paraître de 100% facile à proc.
et 1,5 pour tous les joueurs, au moins 3 joueurs à Razington. Facile à prendre aussi. Alors, moins il a d'endurance, plus il augmente. Ok. Courage, tant qu'il lui reste 1. Putain, ça c'est. Courage, c'est un truc de ouf ça. Pendant le courage, c'est un truc de ouf. Défenseur adverse dans l'endurance, utilise plus qu'un. Ah ouais, tueur d'endurance d'un défenseur. Oh là là. Il vous faut les pièces de son père, de Guenzo et de KHS Bayern. Voilà. Bah, très très fort. Très très fort. On va voir le Mizugi. Mizugi, il a un passif assez spécial. Hein. 1159 en endurance, milieu défensif et défenseur rouge. 25 885 en attaque, 8600, 8500, 8600 en passe, c'est pas mal. Hein. Pour un défenseur, c'est pas mal. Enfin, pour un joueur défensif, c'est pas mal du tout. Défensivement, c'est pas mal aussi. 9003, 9009, 9007, c'est assez homogène, c'est très fort. Et en physique, 7767 en puissance, 7760 en technicité. Alors, 20% pour tous les joueurs Jap et défense sortie. Donc en fait, quand vous allez faire des passes, etc., et ben, son icône n'apparaît plus sur le terrain. Donc c'est pas où est-ce qu'il est en fait. Voilà. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je sais pas. J'ai pas d'avis là-dessus. Je sais pas si c'est fort ou pas fort. Alors, ça rien du tout. On verra vos avis. Contre-coup acrobatique intercepteur, je l'ai vu qui est pas mal. 480 en intensité. Interception noble, 440. Et passe feuille morte volante. Donc voilà. Vous mettez lui un dribble, une passe. Ça peut être sympa. Lui. Donne 3% à des joueurs japonais. Okay. Et au moins 3 joueurs japonais. Ouais, lui, faut au moins 3 joueurs japonais. Enfin, 6 japonais, Raizen, ça serait le top. Donc, il a un shield, il a le full body set et le courage aussi. Tsubasa, Barça, il me faut le Cruyff et le Mizugi collège. Collège ou lycée, je sais plus. Collège. Bon, bah écoutez, moi je pars sur 2 rotations. Sur deux rotations avec le KHS. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Bon, bien évidemment, Guenzo, je l'ai déjà. Bon, si je l'ai en doublon, pourquoi pas pour l'arrêt, on va le mettre de côté pour un éventuel autre Guenzo. Pour l'instant, ça reste le Guenzo le plus fort. Mizuki, j'en veux pas. Donc un des deux. Un des deux beaux gosses. Allez, c'est parti. Bien évidemment, si on a un des deux, je vais m'arrêter. Je vous le cache pas. Si j'ai soit Schneider ou soit. Bon, il n'y a rien. Fais pas durer le suspense. Allez. Là, je fais avec le pavé tactile, là. C'est incroyable. Flèche dorée, deux feux d'artifice. Toujours rien. Sandrine Ball dans le vent. Allez, la dernière payée de cette rotation. Flash du troll. Oula! Deux! 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 Allez, allez, allez! Un des deux et on est bien là. Un des deux, s'il te plaît. Un des deux. Allez! Allez, vas-y, je m'en fous de toi. Désolé, mais je m'en fous de toi. Il me donne des joueurs qui sont même pas rated. Non, mais c'est incroyable. Ce jeu est tout simplement incroyable. Bon, on est dans les taux, comme dirait mon ami Letan. On est dans les taux. 3 multi et 2 SSR. Oula, chance. Oula. Chance, flèche dorée, 4 feux d'artifice.
Pas de flamme. Le vol. Sérieux. Attends, sérieux. N'importe quoi. Deux SSR qui m'intéressent pas du tout. Et bon, on repart sur un deuxième retard. Moi, je veux absolument le Laturezza. Je ne cache pas. Je ne cache pas que c'est vraiment un des joueurs que je cherche. Il n'y a rien. Rien du tout. Et ben, on va continuer sur la log de l'anniversaire. Voilà, on va faire la technique. Que 4 feux d'artifice. J'ai pas de chance. Voilà. On va voir si c'est un seul ou deux. Un seul. Un seul. Ce sera le premier. Allez, 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 allez. Allez. Raoul. Ouais. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si je dois être content ou pas content. Je sais pas. Plus qu'un vent gratuit. Et ben... Il reste deux multi, les gars. Voilà, on les porte là aussi. Bon. Est-ce qu'on va tout rattraper à celle-là? On va vendre. C'est pas grave, on va vite vendre. Ne vous inquiétez pas, les amis. Hop, 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 hop. Voilà. 67 SSM à donner. La gratuite. Tu m'en rêvais. Chance. 4 feux d'artifice, flash doré. Est-ce que ça semble bon pas? Flash. Bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu peux m'en donner deux. Tu peux m'en donner deux, hein. T'as le droit, hein. Ben voilà. Et ben voilà, sur la toute dernière multi, voilà. Ah là 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 là. Putain, qu'est-ce qu'il est dur ce jeu, n'empêche. Très content les gars, très content. Je cherchais le natu, pas vous mentir. Mais on prend le KHS, beau gosse. Ben, ça faisait longtemps que j'avais pas drop le Super Dream Fest lors du premier jour. Très content, très content. Voilà. Là, le shonen est encore là, l'esprit shonen est encore là dans cette vidéo. Et ben ça fait plaisir. En tout cas, je suis content que j'ai drop. Voilà. On va le monter propre. Il va sûrement remplacer mon KHS rouge. Ouais. J'ai tous les Dreamfest. J'ai tous les Dreamfest. J'ai le rouge. J'ai le vert, je crois, doublon. Le vert, je l'ai en doublon. Et j'ai celui-là. Ah, je suis content. Non, je suis content. Bon, moi, j'ai pas tué mes Dream Ball pour rien. J'ai pas tué 300 Dream Ball pour rien. Donc, on est content, les gars. Voilà. Objectif atteint. Voilà. Objectif atteint. C'est bon. Malheureusement, j'ai dû aller jusqu'au bout. Bon, bah, écoutez, Non, c'est bon. C'est bon. Tranquille. On va le verrouiller tout de suite. Hein. On va se prendre la tête. Tap.
Ça fait 4 ans que la musique n'a pas changé. La musique n'a pas changé. Ouais, je deviens fou, les gars. Je deviens fou. Non, non, non. Ouais, la carte pourrait être meilleure, mais ça va. Moi, je trouve que ça va, elle est propre. Elle est propre, elle est classique. En plus, avec son beau maillot Adidas. Parfait. Ils ont dû mettre le maillot noir, le tout nouveau maillot noir de l'Allemagne, qui est magnifique, d'ailleurs. Voilà. Bon, bah, voilà, les amis. Hein, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vais essayer d'aller chercher la reprise. Ça va pas être facile. C'est très compliqué d'aller chercher les TS de Yuga, de Tsubasa, l'interception qui est magnifique d'ailleurs de Tsubasa. Et là, la reprise, ça va être compliqué. Je vais essayer, je vous promets rien, mais on va essayer. Donc là, 60, on va dire 70 Dream Ball. Et ben, on va écho. On va écho tout le mois de juillet. On verra le soir Dream Fest le mois prochain. J'espère que vous avez eu beaucoup de luck, les gars. Dites-moi en commentaire quel joueur vous intéressait. Et est-ce que vous avez droppé ou pas? J'espère que oui. Je sais que l'anniversaire est compliqué. Voilà, je sais que j'ai vu beaucoup d'avis sur Twitter. L'anniversaire est très compliqué pour tout le monde. Mais bon, soyez forts. Ou sinon, faites une pause. Faites une pause, hein, vous prenez pas trop la tête. Ça reste qu'un jeu. Faut pas se prendre la tête. Ne mettez pas Tsubasa au-dessus de plusieurs priorités, les gars. Ça reste que de l'amusement. Si vous amusez plus, faites une pause. N'arrêtez pas le jeu complètement, faites une pause, jouez de temps en temps comme ça, comme moi je fais en ce moment. Voilà, ça passe vraiment au troisième plan, tout va ça en ce moment pour moi dans ma vie. Hein. C'est troisième plan. Donc, quand j'ai un peu de temps, je joue, je fais mes connexions quotidiennes. Quand je peux jouer, je joue. Quand je peux pas jouer, je ne joue pas, je me prends pas la tête. Franchement, je me prends pas la tête. Donc voilà, donc j'espère que vous avez droppé. Merci en tout cas, merci aussi de tous les commentaires de la présente vidéo. Où bah, tout le monde était content de mon retour. Bon, c'est un petit retour, mais franchement, vos commentaires me vont droit au cœur. Merci beaucoup. On va essayer de revenir petit à petit dans le Tsubasa Game. Et voilà. Donc là, c'est sur là-dessus qu'on sur là ah, sur là-dessus que je vous laisse. Je vous souhaite de bons drops. Faites attention à vos Dream Ball et à la prochaine. Ciao les amis.